Hey, yo, salut tout le monde, c'est Monsieur Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ATF. C'est l'épisode 6 il me semble. Et donc bah voilà, on se retrouve sur ATF, le serveur multijoueur Vanilla, tout ça, vous connaissez maintenant, hein, c'est l'épisode 6, vous devriez connaître, non mais oh. Enfin voilà. Et donc bah déjà je tenais à vous remercier pour la dernière vidéo qui est sortie en date au moment où je tourne. Donc c'est l'épisode 3, parce qu'en fait bon je fais l'épisode en avance, donc vous entre-temps vous aurez vu l'épisode 3, 4 et 5. Mais là, pour moi, il n'y a que la 3 qui est sortie. Donc, bah, dans cette vidéo, dans cet épisode 3, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes et des vues aussi, bien sûr. On a dépassé les 100 là, à l'heure où je tourne. Et donc, bah, je voulais vous remercier car il y a eu une petite vague d'abonnements où maintenant, on est en train de frôler les 40 abonnés. Donc, peut-être d'ici là, on les aura dépassés. Qui sait, peut-être qu'on aura les 50. On verra, ce sera la surprise. Et donc, aussi, ce que je voulais faire dans cet épisode, c'était donc on va faire du build. On va aussi visiter quelques bases. Et puis aussi, je vais vous montrer mes incroyables skills en PvP et ceux des autres, bien sûr, car il y a eu un événement sur le serveur qui était donc un mini-jeu que je vais vous présenter dans un instant. Et donc voilà, commençons l'épisode. Donc voilà, dans ces séquences-là, en fait, on se retrouve dans les events organisés par le serveur, où justement, on peut avoir plusieurs mini-jeux qui sont organisés. Donc le premier jeu que nous allons faire, en fait, ça va être un pitch-out. Donc le principe du pitch-out, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'expulser vos adversaires justement de la plateforme où vous êtes. Donc vous allez avoir aussi des items qui vous permettent de pousser justement vos adversaires, donc des arcs avec du punch, ou alors des épées avec du knockback. Et votre but, bah, c'est très simple, c'est de survivre. Donc vous allez voir en fait que bah on va être poussé très 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 loin, et que c'est assez dur justement de rester sur la plateforme. Donc voilà, donc je vous laisse apprécier mes skills en PvP absolument fantastiques. Et puis bah, je vous retrouve une fois qu'on aura tout regardé. Donc les gens qui m'ont regardé là, vous allez voir mes skills incroyables en PvP. Vous allez voir, je suis trop fort. Oh, Technoblade. Non, c'est pas Technoblade, c'est juste Jerry. Allez, c'est parti pour une nouvelle partie de Beach Out. Bon bah c'est terminé. C'est terminé. Allez, c'est reparti pour une partie. Cette fois, je gagnerai. Cette fois, je les écraserai tous. En espérant bah, gagner sur le passage. Allez, hop là. Non! Je m'en fous, j'en ai eu un! J'en ai eu un! Ah, bien joué. Après avoir perdu un nombre incalculable de fois au pitch out, parce que je suis très 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 fort au jeu, nous avons fait un deuxième jeu qui, je ne me souviens plus du tout du nom, mais en tout cas c'est le principe d'une patate chaude, sauf là on en a plusieurs. Donc en fait on va vous distribuer
plusieurs lingots de fer, donc 16 par personne, et le but ça va être de donner tous vos lingots de fer pour en avoir le moins possible aux autres joueurs. Et donc ça marche par round, et donc à chaque fois, il va y avoir un certain nombre de joueurs qui va être éliminé parce que ce sera eux qui auront le plus de fer dans leur inventaire. Donc ce mode de jeu-là, j'espère être un petit peu plus fort. Là. J'ai wow.
Et non, tu gagnes. Et voilà, donc j'espère que cette séquence où vous me voyez galérer en PvP vous aura plu. Enfin, quand même, à la fin, j'aurai gagné le tout dernier jeu. J'espère que vous avez remarqué quand même. Enfin voilà, ça montre que je ne suis pas quand même complètement nul, mais bon, un peu quand même. Et donc voilà, donc aussi en musique, bah, j'ai mis de la synthwave. Donc je sais pas si vous aimez. Enfin voilà, vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai beaucoup aimé la première musique de synthwave, mais la deuxième, c'est un peu moyen, en tout cas pour le PvP. Enfin, pour la situation où j'étais, donc le combat, donc bof. Sinon ça va, le reste c'était plutôt raisonnable, donc enfin genre le montage était raisonnable, j'ai juste vraiment galéré à tout assembler parce qu'en gros j'avais une petite heure de rush là, du coup qui filmait tout et j'ai dû faire le tri avec les parties parce que bien sûr je n'ai pas mis toutes les parties parce qu'il y en a eu beaucoup, notamment dans le pitch out où il y avait vraiment, je sais pas on a fait combien de parties mais on en a fait beaucoup trop, donc j'ai mis une petite heure et demie à tout trier, même peut-être deux avec... avec du coup tous les mini-jeux qu'on a fait. Donc voilà. Donc maintenant, bah, je vous propose qu'on passe au build. Et donc vous allez voir, le build, ça va vraiment être quelque chose d'incroyable. Ça va vraiment changer, ça va changer de l'image de notre royaume, de notre projet, hein, qui s'appelle The Kingdom, je rappelle. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va... comment dire, c'est vraiment une grande étape, quoi. C'est un grand pas pour notre projet, pour ne pas citer le cher astronaute Neil Armstrong. Enfin voilà. Donc, début du timelapse, c'est parti! Du timelapse, et donc on se retrouve après que j'ai build tout ça, bien sûr vous l'avez vu dans le timelapse évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, en tout premier j'ai mis des routes, et juste le fait de mettre des routes ça change vraiment tout, ça fait moins un terrain, ça fait moins, je sais pas comment dire, vague, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais ça en fait le placement des bâtiments commence à être cohérent en fait, parce qu'ils sont reliés par une route justement, ils sont reliés entre eux, et ça rend la chose vraiment pas mal, enfin juste rajouter une route ça a déjà fait quelque chose. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai enlevé tous les coquelicots qui avaient été mis là. Donc maintenant, ça a l'air beaucoup plus naturel et beaucoup moins rouge, bien sûr. Et après, en second temps, bien sûr, bah, j'ai fait la porte.
de la future muraille qu'il y aura pour notre projet. C'est la porte nord, car elle est au nord de notre projet. Si on regarde par là, on voit dans le F3 que le nord est là. Et donc, bah, cette porte, bah, moi, je l'aime bien. Donc, après, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Donc, on en parle là. On a d'ailleurs un petit peu... on a une sorte de carrelage un peu avec les couleurs de notre projet. Les couleurs que bah, j'ai choisies en construisant le portail, qu'on retrouve d'ailleurs sur les drapeaux que j'ai mis là-haut. Donc, ça va être du cyan et du vert foncé. Moi, j'aime bien. Et donc, voilà, on peut aussi accéder par les tours ici. D'ailleurs, c'est le seul endroit où on peut accéder à l'intérieur. Où on va accéder justement à l'endroit où on peut voir la porte. On a aussi des meurtrières ici. Et on peut bien sûr accéder là-haut avec des échelles. Pour justement, s'il y a des gens qui attaquent la ville. Alors, dans le RP, hein, dans la vraie vie, je pense pas qu'il va y avoir des gens qui vont nous attaquer. Mais c'est pour la logique, le lore un peu. Enfin, voilà, et donc en fait, on peut bah, attaquer, on peut répondre. Et ça fait une entrée sympa pour notre ville. Donc j'ai bien sûr, j'ai pas fait toute la muraille, hein. Vous pouvez voir que des deux côtés, elle s'arrête net. J'ai juste commencé les murailles pour me donner un pattern de base, en fait. Comme ça, j'aurais juste à recopier. Je voulais juste avoir une sorte de modèle que je pourrais reproduire. Enfin, en tout cas, j'aurais déjà un style et j'aurais juste à continuer. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait et j'en suis très content. Donc aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est que bah, du coup, la muraille va continuer là-bas. J'ai déjà fait le traçage, mais c'est là depuis un certain temps. Et je vais notamment rajouter une deuxième porte, la porte donc qui va être à l'est, parce que elle est vers l'est de notre projet, qui va être juste là. Donc je l'ai déjà désigné, mais enfin je l'ai déjà designé, mais ce sera pour un autre épisode, sans doute pour le prochain. Et donc voilà, hein, ça va être pareil, une porte qui va être un peu similaire à celle là-bas, mais quand même différente, où il y aura deux sortes de tours avec la porte au milieu, hein, qui va avoir une petite arche, et puis on pourra passer entre les deux. Et ça va être sympa. Et donc aussi, on va avoir un chemin qui va arriver par là et qui va se relier au chemin qui est là-bas. Et aussi, vous pouvez voir donc que Bidulman a fait donc ce petit lac. Il a aplani la zone et a fait un petit lac avec une petite rivière. Et le projet ici est de faire un énorme champ qui va donc être sur toute cette surface plane. Et ça va être vraiment pas mal et ça va pas faire bizarre à côté de ma muraille. Ça va faire même logique. Comme ça, on pourra dire dans le lore que c'est là d'où vient toute notre nourriture pour nourrir les habitants de notre royaume. Maintenant, petite chose que je vais vous montrer, c'est qu'entre-temps, bien sûr, j'ai continué à faire des fermes. Donc les fermes, bah, elles sont toujours au même endroit, elles sont juste plus réparties. Donc déjà, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il me semble que je ne vous avais pas montré quand j'avais justement bah, mis des murs et des plafonds, donc maintenant il y en a. J'ai rajouté une toute petite section avec une table d'enchant niveau 30 parce que j'en avais pas encore une. Je squattais chez quelqu'un, disons. De ce côté-là aussi, donc j'ai un petit peu étendu le tunnel qui allait là. Ici, on a une petite ferme à œufs. En fait, je fais cette ferme à œufs pour avoir une ferme à poulet par la suite que je mettrai ici pour générer du poulet cuit et des plumes automatiquement. Et j'ai fait encore autre chose. Donc bien sûr, il y a la ferme à moutons, à laine de moutons du dernier épisode que maintenant j'ai un petit peu... Bah, J'ai continué la décoration, donc maintenant il y a un plafond, il y a des petits escaliers dans les coins, il y a des murs, et il y a des bannières pour savoir quelle couleur correspond à quel coffre. Et ici j'ai rajouté une petite ferme à cactus qui produit lentement mais sûrement. Et voilà, donc ça, j'ai rajouté quelques fermes et je vais en rajouter d'autres dans le futur, hein, notamment je pensais à une ferme à miel, donc la ferme à poulet, cuit et plume du coup aussi. Et puis d'autres petites fermes, on verra, genre ferme à citrouille et ferme à pastèque aussi, ça aussi c'est important. Notamment pour les trades, pour les PNJ, et puis je pense que ce sera tout. Et aussi je vais rajouter un petit truc sur le super smelter, qu'on va appeler. En fait, je disais dans un épisode que ça marche pas très 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 bien, mais en fait si, ça marche du feu de dieu, je vous assure, ça marche très très bien. Je l'ai essayé plusieurs fois, et c'est... En fait c'est bien, faut juste attendre en fait que les coffres de bambou soient bien bien remplis, et après ça marche super. Donc voilà. Donc bah, je vais pas faire de visite de base finalement sur cet épisode parce que en fait bah, l'épisode est suffisamment long et puis comme ça je me réserve ça pour un autre épisode. Comme ça je me retrouve pas à court de choses à faire. Et puis on a eu quasiment 10 minutes je crois de PVP, peut-être un petit peu moins, 9 ou 8 minutes. Ce qui me fait quand même la moitié quasiment d'un épisode. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce rouge. Si vous aimez mes vidéos en général de toute la chaîne,
abonnez-vous par pitié. Hein, et comme ça, on pourra peut-être dépasser les 50 abonnés, qui sait. Alors, on n'est même pas à 40 à l'heure où je dis ça, mais quand même. Et puis, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a aussi mon Discord dans le lien de la description. Et puis, il y a aussi toutes les musiques que j'utilise, parce qu'il faut mettre sur le lien pour pas se faire strike la vidéo, il me semble. Donc voilà. Donc c'était Monsieur Alpha. À la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ATF et sur Mind Colonies, peut-être. A plus.